Au cœur du firmament étoilé, brillait une étoile scintillante nommée Étoile. Elle était petite parmi les autres étoiles, mais elle possédait une lueur spéciale et une curiosité sans limite. Un soir, alors que le ciel était clair et étincelant, Étoile décida de quitter son coin habituel du ciel pour explorer l'univers. Elle s'échappa de sa constellation, avec une traînée étincelante, descendit doucement vers la terre. Étoile atterrit dans un jardin paisible, juste à côté d'une petite fille nommée Léa. Léa, émerveillée par la lumière étincelante qui s'était posée devant elle, s'approcha timidement. « Bonjour, petite étoile. Qui es-tu ? » demanda Léa, émerveillée. « Je suis Étoile, une étoile du ciel, mais je voulais explorer la terre, » répondit Étoile d'une voix douce. Léa et Étoile devinrent rapidement amies, partageant des histoires et des rires. Mais bientôt, Étoile réalisa qu'elle avait besoin de retourner dans le ciel. Elle expliqua à Léa qu'elle devait retrouver son chemin avant que le lever du soleil ne vienne. Les deux amies, déterminées à aider Étoile, cherchèrent une solution. Ensemble, ils assemblèrent des matériaux du jardin pour construire une petite fusée étincelante. Ils utilisèrent la force de l'imagination et la magie de l'amitié pour rendre la fusée prête à voler. Le moment venu, Étoile grimpa à bord de la fusée. Léa lui fit un câlin chaleureux et lui souhaita bonne chance. La fusée s'éleva dans le ciel, laissant une traînée de lumière derrière elle. Étoile monta rapidement vers les étoiles, guidée par les rires et la gentillesse de Léa. Elle retrouva sa place parmi ses compagnes célestes, brillant encore plus fort qu'avant. Léa, de son côté, regarda le ciel étoilé avec un sourire. Elle savait que certaines amitiés étaient éphémères, mais elle laissait toujours des étincelles de bonheur dans le cœur. Chaque nuit, Léa regardait le ciel, cherchant la petite étoile brillante, sachant qu'elle était là-haut, veillant sur elle depuis l'univers infini. Dans un royaume lointain, caché au sommet des montagnes, vivait un dragon du nom d'Émeraude. Contrairement aux autres dragons féroces, Émeraude était timide et préférait lire des histoires plutôt que de cracher du feu. Un jour, une princesse aventurière du nom d'Aurore entendit parler de ce dragon inhabituel. Curieuse et avide d'aventure, elle décida de le rencontrer. Lorsqu'elle atteignit la grotte d'Émeraude, elle fut accueillie par des livres empilés et un dragon vert aux yeux brillants plongé dans sa lecture. Émeraude sursauta en entendant l'arrivée d'Aurore et se cacha derrière son livre, craintif. Aurore comprit immédiatement qu'Émeraude n'était pas méchant, juste timide. Elle s'approcha doucement et lui parla avec douceur, lui racontant ses propres aventures et lui montrant qu'il n'y avait rien de mal à être différent. Peu à peu, Émeraude sortit de sa cachette. Il découvrit qu'il pouvait parler à Aurore de ses histoires préférées, de ses rêves et de sa passion pour la lecture. Il se sentait compris et accepté pour qui il était vraiment. Aurore et Émeraude devinrent amis, explorant ensemble les sommets des montagnes et découvrant de nouveaux livres dans des endroits cachés. Émeraude commença même à écrire ses propres histoires, laissant son imagination déborder comme jamais auparavant. Lorsque des ennuis survinrent dans le royaume, Émeraude, avec le soutien d'Aurore, surmonta sa timidité pour aider. Avec son intelligence et sa créativité, il trouva des solutions aux problèmes, prouvant ainsi que même les âmes les plus douces peuvent être courageuses lorsqu'elles le doivent. Aurore rentra dans son royaume, mais leur amitié persista. De temps en temps, elle venait visiter Émeraude, apportant de nouveaux livres et partageant leurs histoires d'aventure.
Émeraude comprit alors que la véritable force ne résidait pas seulement dans la taille ou le rugissement, mais dans le courage d'être soi-même, même quand cela semblait difficile. Et c'est ainsi que le dragon timide découvrit que l'amitié d'une princesse aventurière avait illuminé son monde d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Au cœur d'un jardin enchanté, parmi les fleurs aux couleurs éclatantes, se trouvait une modeste marguerite du nom de Margot. Toutes les nuits, lorsque la lune brillait haut dans le ciel, Margot s'illuminait doucement, éclairant le chemin des lucioles égarées. Sa lueur douce et chaleureuse était le secret le mieux gardé du jardin. Seule la lune et quelques étoiles savaient qu'elle possédait ce pouvoir magique. Un soir, une luciole curieuse du nom de Lila, égarée loin de sa famille, errait dans le jardin à la recherche du chemin du retour. Fatiguée et désemparée, elle aperçut la lueur éblouissante de Margot au loin. Elle s'approcha timidement de la fleur lumineuse. « Bonjour, je m'appelle Margot. Comment puis-je t'aider ?» demanda doucement la marguerite en voyant la petite luciole tremblante. Lila raconta comment elle s'était égarée et avait perdu sa famille. Intriguée par la lueur constante de Margot, elle lui demanda le secret de sa luminosité. Margot sourit tendrement et lui expliqua que son pouvoir provenait de son amour pour les autres. Chaque nuit, elle illuminait le jardin pour aider ceux qui étaient perdus à trouver leur chemin. Touchée par cette leçon, Lila comprit que la vraie lumière venait de l'intérieur. Elle réalisa que même si elle ne possédait pas une lueur visible comme Margot, elle avait sa propre lumière, celle de l'espoir et de la détermination. Margot et Lila passèrent la nuit à discuter, à partager des histoires et à regarder les étoiles. Au matin, avec l'aide de Margot, Lila retrouva le chemin de sa famille et promit de revenir rendre visite à la lumineuse Marguerite. Le jardin continuait à être baigné de la douce lueur de Margot chaque nuit, mais maintenant, Lila était aussi là pour éclairer le chemin des autres lucioles perdues. Et depuis ce jour, le secret du jardin magique était que parfois, ce n'était pas seulement la lueur extérieure qui guidait, mais aussi la lumière intérieure, celle qui réside dans le cœur. Dans un étang paisible et chatoyant, vivait un petit poisson rouge du nom de Ruby. Il avait des écailles d'un rouge étincelant et un esprit aventureux. Un jour, alors que le soleil brillait haut dans le ciel, Ruby décida qu'il était temps d'explorer au-delà des limites de son étang. Il sauta joyeusement par-dessus les nénuphars et se retrouva dans une rivière rapide et tumultueuse. Les eaux agitées effrayèrent Ruby qui commença à nager frénétiquement en rond, incapable de trouver son chemin de retour. C'est alors qu'apparut une tortue sage nommée Tilda. Avec sa carapace robuste et sa sagesse, elle s'approcha de Ruby et lui offrit son aide. « N'aie pas peur, petit Ruby, » dit Tilda d'une voix apaisante, « je vais te guider à travers les eaux tumultueuses jusqu'à un endroit paisible. » Avec la tortue comme guide, Ruby se sentit plus en sécurité. Il suivit les instructions de Tilda et ensemble, ils naviguèrent à travers la rivière agitée. Finalement, ils atteignirent un paisible lagon bordé de magnifiques fleurs aquatiques aux couleurs vives. Ruby se sentit émerveillée par la beauté et la tranquillité de ce nouvel endroit. Il réalisa alors que l'aventure était passionnante, mais parfois, il était bon d'avoir un ami sage pour vous aider dans les moments difficiles. Merci beaucoup, Tilda. Tu es la meilleure amie qu'un poisson rouge puisse avoir, s'exclama Ruby, reconnaissant. Tilda sourit et lui dit doucement, n'oublie jamais, Ruby, que parfois, même les plus petites créatures peuvent apporter une aide précieuse. Maintenant, tu as un nouvel endroit où explorer,
mais n'oublie pas d'être prudent. Rempli de gratitude envers son ami Tortue, Ruby savait qu'il était temps de retourner chez lui. Il dit au revoir à Tilda et nagea de retour vers son étang, le cœur plein d'aventures à raconter à ses amis poissons. Depuis ce jour, Ruby savait qu'il pouvait compter sur l'amitié et la sagesse de Tilda. Et même s'il aimait toujours explorer, il savait que parfois, le meilleur des trésors était d'avoir des amis fidèles pour l'aider dans ses aventures.